Vous pensez que l'avant-première d'Hunger Games en présence de Jennifer Lawrence au Grand Rex le 9 novembre prochain devrait être révoltante? Ça tombe bien, nous aussi. Décidément, on parle beaucoup d'Alien et de Prometheus ces temps-ci, hein, surtout depuis que Ridley Scott est sorti. En pleine promo pour Seul sur Mars, le réalisateur lâche du biscuit sur Prometheus 2, qui ne s'appelle plus Prometheus 2. Car le film a été rebaptisé Alien Paradise Lost. Aucun lien, fils unique. Non, ce Paradise Lost-là sera bel et bien la suite de Prometheus, et si l'on en croit les déclarations de Ridley Scott, ce nouvel opus devrait être davantage en lien avec les précédents films de la saga, un véritable retour aux sources donc. Ou pas. Bah oui, il faut quand même le rappeler, Prometheus a été très mal reçu au moment de sa sortie aux États-Unis, où il n'a récolté que 126 millions de dollars de recettes. D'un point de vue strictement marketing, donc remettre Alien dans le titre, c'est du pain béni pour la Fox, désireuse de faire oublier Prometheus aux fans qui se sont dit déçus, voire trahis par cette origin story. Et puis, c'est aussi une façon habile de mettre l'accent sur ce qui fait la valeur de la franchise, son lien avec la saga de Ripley. Reste à ne pas trop embrouiller le public, même avec un Alien dans le titre, Prometheus est et restera un préquel à la première saga. Enfin, Neil Blomkamp, lui, prend les choses avec humour. Hein. D'un point de vue scénaristique, Scott a confié que ce Paradise Lost s'attarderait sur la création des xénomorphes. La question est donc de savoir qui a osé créer un truc pareil et pourquoi. On est franchement curieux de le savoir. Hein. Quant au Paradise du titre, eh bien, il fait apparemment référence au nom d'une planète. Comme on vous le disait il y a une quinzaine de jours, le tournage de Prometheus 2, initialement prévu en février 2016, sera décalé au mois de mars. Suivra ensuite le Alien 5 de Neil Blomkamp, puis les autres Prometheus. Pour être tout à fait exact, et le dernier devrait être un crossover avec la saga Alien, des suites que Scott va non seulement produire mais aussi réaliser. On va donc manger de l'Alien pendant encore une bonne dizaine d'années. Je sens que là, c'est les bestioles qui vont se gaver. Aussi discrète que la renaissance d'Heroes, voici les news en bref. Le détective Gordon n'en a pas fini avec les super-vilains. Après la cour des hiboux, place à Flamingo. Présent dans les comics, Batman, ce redoutable assassin, compte bien prendre le contrôle de Gotham. Et c'est Raoul Castillo qui prêtera ses traits à ce monstre qui a la particularité franchement dégoûtante de manger le visage de ses victimes. Alors autant Batman il a son masque, hein, mais vous imaginez Gordon? Oh non, franchement cette saison 2 de Gotham n'annonce rien de bon. Verdict chaque lundi sur la Fox. Saviez-vous que Matt Damon aurait pu jouer Daredevil à la place de son super pote Ben Affleck dans le film de 2003? Non, bah moi non plus. C'est ce qu'a révélé l'interprète de Bourne ce week-end, des révélations pour le moins fracassantes. Alors apparemment, il aurait refusé le rôle car il ne savait pas trop dans quoi il s'engageait. Mais imaginez une réalité alternative dans laquelle Damon joue Daredevil. Ce serait peut-être lui qui jouerait Batman aujourd'hui dans le film de Zack Snyder. Vous voyez un peu le tableau? Bon, reste à savoir comment on l'aurait appelé, hein. Batman, Batman, Batmat? Non mais en fait, Batfleck c'est quand même mieux. Aujourd'hui dans le courrier des fansoniens, on répond à Bud qui nous demande des nouvelles de Wolverine. Eh bien Bud, figure-toi que nous avons eu la chance de rencontrer Hugh Jackman en pleine promo pour Pan et nous avons essayé de grappiller quelques infos. Écoutez plutôt. It's been a real surprise to me in every way. It's been a surprise that it's lasted this long. It's been a real surprise how well it's been received. I think it's also how engaging it's been. I'm challenging. I'm really super excited about this last one and it's been an amazing ride and it just feels like the wave is just... It's time. It's time to let someone else, you know, ride the surfboard. Comme vous pouvez le constater, le comédien ne s'est pas étendu sur le futur film. Depuis, on a appris qu'il verrait bien Tom Hardy lui succéder comme on vous l'annonçait vendredi. Et puis le dernier long métrage de l'ère Jackman est actuellement en cours d'écriture. Jackman se prépare physiquement pour un tournage l'an prochain. Mais il a été catégorique qu'il ne reprendra pas le chemin des plateaux tant que le scénario ne sera pas parfait et il y a un point auquel il tient. La relation qui lie son personnage à celui de Patrick Stewart, une relation père-fils selon lui. Eh bien les gars, au boulot. Bon et sinon, Bud, pour les t-shirts, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de l'écran et que tu retrouveras dans les crédits de l'émission. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.